Dis donc, ton pari avec la vie, ça peut pas attendre un jour ou deux? Tu as partagé le pain noir, tu mérites de partager le gâteau. Tu me prêtes 200 francs et je t'associe aux dividendes. C'est un peu comme si tu prenais une assurance vieillesse. Prends-les dans mon sac. Je te rappelle que la dernière fois, t'es revenu en autostop. Vous vous y êtes laissé prendre. Pardon. Hein? Le coup du feu giratoire, le piège à con. On se dit, tiens, voilà une voiture, voilà de la grande Scandinave ou du petit Britannique. Et crac, c'est les poulets. La loi. Allez, montez. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, vois ça sans respirer. C'est ce que prend le chef quand il a ses bourdonnements. J'avais pourtant dit, pas sur la tête. Qu'est-ce que vous lui voulez au commissaire? Monsieur est un sympathisant, presque un auxiliaire. Non, là, c'est trop. Un de mes amis, malheureusement dépourvu de pièces d'identité, est tombé cette nuit sur une de vos patrouilles d'élite. Si. Un feu giratoire brisé par coup de feu. Bien mené, devant le jury de Versailles, le gonze risque sa tête. Non, pas la tête! Silence dans la cage! Voici les papiers que le cher étourdi avait oubliés chez moi, un départ impromptu. Bien entendu, je réponds de ce garçon comme de moi-même. Très, très curieuse. Sa tête? Sa chemise. Dirait-on pas la grande palmeraie de Tizi Ouzou? Mais c'est la grande palmeraie de Tizi Ouzou. Embarquez-moi ça au quai des Orfèvres. Son consul ou son sorcier viendra le chercher. Pas d'histoire avec l'Afrique. Mais il n'y a pas écrit qu'on se baigne à Noël. Il y a écrit à Pâques. Il est comme ça avec vous? Pareil! Il discute tout! Allons, Freddy. Le récif de corail, la maison de Gauguin, les petites fleurs, le chant du ukulélé, le soir sous les manguiers. Hein? Ah ben, puisque vous en êtes à l'audiovisuel, alors permettez! Le Bosphore, hein? Eh ben, le Bosphore, c'est pas de la merde non plus! Tiens, matez les couleurs. La Corne d'Or, la Mer Noire, la Mosquée Bleue, et les minarets, mordez les minarets. Vous avez jamais entendu, je suis sûr, l'appel du muezzin. La fascination de l'Orient, quoi. J'ai connu. Ah oui? Devant la mosquée de Soliman le Magnifique. Je portais un topé lilas. Elle s'appelait Gertrude. Elle avait dans les hanches ce balancement gracieux qu'ont les femmes qui ont beaucoup marché. On a failli se fixer là-bas, acheter du terrain. On pensait même à une maison, et puis les intermittences du cœur. Finalement, la maison, c'est elle qui l'a ouverte à Caracas. Ah oui, la Mano et la Mano. Vous avez connu? Of course. Le terrain, c'est moi qui l'ai acheté sur la Costa del Sol, 300 francs le mètre. Aujourd'hui, avec le coût des congés payés pour le flamenco et la paella, ça pèse un milliard. Avec des bungalows dessus. Oh, évidemment, l'immobilier, la finalité marlopine. Vous voyez grand. Je vois moderne. J'ai pas cru au terrain au lendemain de la guerre, alors ça me ronge. Vous fournissez le bord de mer, je fournis le béton. On promote à tout va dans le bout du jour. Moitié hacienda, moitié clapier. On fourgue avant que ça se lézarde. Et on fait la culbute. On repromote en Sardaigne. Belote et rebelote. Et on attaque l'Afrique, car c'est ça l'avenir, monsieur, l'Afrique. 20 000 kilomètres de plage. Pour les pousseurs de filets à crevettes, quelle promenade. Mais y avez-vous songé? Oh là là. Très intéressant, ça. J'aime. Quand il n'y a rien, il n'y a rien de net. Mais quand il y a quelque chose, ce quelque chose cache souvent autre chose. Le poète avait raison qui parlait des choses qui sont derrière les choses.